J'apprends les mitzvot en vidéo avec Torahbox. Chaque vendredi soir, nous avons l'obligation de réciter le Kiddush, un texte institué par nos sages qui mentionne la création du monde. En agissant ainsi, on atteste que le monde possède bien un créateur. Il est bien que la table soit dressée lorsque le chef de famille revient à la maison après la prière du soir à la synagogue. Shabbat shalom les enfants. Les pains doivent être recouverts d'un apron. On prend le livre de prière et on chante Shalom Aleichem debout, un chant accueillant les anges venus pour l'occasion. On chante ensuite Eshet Ra'il, un poème qui vante les mérites de la femme idéale. On remplit le verre à ras-bord avec du vin ou du jus de raisin. Il doit contenir 86 ml au minimum, environ la moitié d'un verre en plastique. D'après la mystique juive, il est bon de mettre 3 gouttes d'eau dans le vin afin d'adoucir sur nous la rigueur céleste. Le père saisit le verre avec les deux mains. Il le tient ensuite seulement par la main droite et l'élève à une hauteur d'au moins 8 cm. La mitzvah du Kiddush repose sur tout un chacun. En général, l'honneur de le réciter est laissé au père de famille. Ce dernier annonce qu'il pense à acquitter les convives de la mitzvah du Kiddush. De même, il leur demande de penser à s'en acquitter en l'écoutant. Je pense à vous acquitter de la mitzvah du Kiddush, pensez également à vous en acquitter. Le père récite le texte dans le livre de prière. Il ne faut pas parler pendant la récitation entière du Kiddush. Il est bien que chacun pense à la signification des mots. Arrivé au passage Savri Maranan, le père regarde dans le verre afin de rester concentré sur ce qu'il fait et sur le sens des mots qu'il prononce. Tous les convives répondent Amen à la fin de chacune des deux bénédictions. Immédiatement après la fin de la récitation du Kiddush, tout le monde s'assied et le père boit au moins 44 ml de vin d'un seul trait, l'équivalent d'un quart de verre en plastique. Il distribue ensuite un peu de vin à tous les convives.